J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Clairement je vais pas faire la meuf, je viens de recevoir les colis. J'ai direct tout ouvert, j'avais trop hâte de recevoir. C'est vraiment arrivé en peu de temps, donc ça c'est trop cool. Au programme de ce haul, on aura des accessoires pour mon bébé chat. Si vous avez suivi, du coup je suis devenue maman chat entre temps. De la déco pour l'appartement, des affaires back to school. On a également de la skincare. Merci beaucoup à Timou parce que c'est clairement grâce à eux que je filme cette vidéo aujourd'hui. Timou c'est un site où vous pouvez retrouver plein de choses différentes, vraiment dans toutes les catégories. En plus vous avez pas de frais de livraison, vous avez des réductions sur tout. Tout ce que je vais vous présenter dans la vidéo, vous pourrez les retrouver en barre d'infos. Vous avez également mon petit code promo, enfin bref, ça vaut trop le coup. Si un truc vous plaît, n'hésitez pas. Vous avez des articles qui vont jusqu'à 90% de réduction, c'est énorme pour faire des économies. Vous avez également les retours gratuits jusqu'à 90 jours. Si un article vous convient pas, vous pouvez être remboursé. Du coup voilà, c'est parti pour ce haul. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Au niveau de cette vidéo, je vais tout vous présenter par catégorie, ce sera plus simple. Première catégorie, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour mon chaton. Donc du coup, si vous n'avez pas suivi, il y a maintenant 3 semaines, j'ai adopté un bébé chat. Je vous laisse aller voir mes dernières vidéos parce que clairement, j'en parle tout le temps, je l'aime trop. Du coup, si vous n'avez pas suivi, c'est officiellement une fille, on ne savait pas encore si c'était femelle ou mâle. La semaine prochaine, on a rendez-vous chez le véto pour ses premiers vaccins puisqu'elle a 2 mois la semaine prochaine. Je dis on parce que clairement, avec mon copain, on se considère comme ses parents. On l'a récupéré très tôt puisque sa maman ne pouvait plus la l'été et à arrêter tout simplement. Bref, j'en ai profité puisque sur le site Timou ils ont plein d'accessoires pour animaux. Vous pouvez vraiment retrouver tout et n'importe quoi. Vous l'avez compris, notre but c'est clairement de l'emmener à l'appart à Clermont. J'aménage avec mon copain mais j'aménage aussi du coup avec mon chaton. Donc on s'est dit quoi de mieux que prendre la base, c'est-à-dire un distributeur à eau et à croquettes. Je vous mettrai des images en contexte, ce sera plus simple. Mais du coup voilà, ça arrive, vous avez juste à monter le haut. Vous avez un petit sticker aussi que vous pouvez coller ou non. C'est très simple, très basique, mais c'est vraiment un truc comme ça que je cherchais. Quand je dis distributeur, c'est juste que vous avez une réserve, ça coule au fur et à mesure. C'est pas un truc électrique qu'il faut brancher ou quoi. Et ça voilà, c'est le truc pour l'eau. Ça, ça va dans la catégorie chat, mais également dans la catégorie appart. Puisque si on l'emmène à Clermont, il y a un canapé. Et je n'ai pas envie qu'elle sabote mon canapé puisqu'il est neuf. Enfin, il a un an quoi, je l'avais acheté lors de mon déménagement. Donc j'ai vu ce plaid, mais je l'aurais pris même si j'avais pas eu un chaton. Dites-moi que vous avez pas envie de vous enrouler dedans. Il est absolument génial. Ça, c'est sûr que Blue va adorer. Vu qu'il est assez grand, je me dis sur le canapé ça peut être pas mal pour le protéger, même si en soi il y a quelques trous, vous voyez c'est en crochet, mais c'est assez épais. Donc de toute façon on va mettre le max de plaid sur le canapé pour le protéger au max. Donc vraiment gros coup de cœur, j'avais peur de la qualité mais passion plaid, du coup trop contente. J'ai trop envie de passer à la catégorie appartement, puisque vous l'avez vu dans les vlogs appart, j'adore la déco. Le IKEA, je peux y passer des heures. Au niveau de la déco pratique, utile et esthétique surtout, parce que ça vraiment c'est la base dans une cuisine. C'est tellement pratique, j'en ai déjà à l'appart, là j'en ai pris des tout petits. Vous voyez par rapport à ma tête, j'en ai 4 comme ça. Honnêtement je pensais qu'ils seraient plus gros, mais maintenant que je les vois je me dis pour les épices ça peut être parfait. Même pour le sel, le gros sel et tout. Clairement beaucoup moins cher qu'au IKEA et ils font toutes les tailles. Voilà vraiment ça c'est validé, ça va être utile. Gros coup de cœur pour ce bol assiette, parce qu'à mon avis je vais beaucoup manger dedans. Je sais pas si on se rend compte de la taille du truc, mais il est magnifique. C'est mon copain qui l'a choisi parce que j'avais clairement pas assez de bol, il fallait qu'on s'en rachète. Je suis dégoûtée de pas en avoir pris d'autres, il faisait plein de modèles différents. Ça peut vraiment servir pour faire un big porridge ou pour manger des nouilles chinoises le soir, vraiment parfait. Ça c'est clairement un achat de daronne, c'est vraiment pour faire la vaisselle quoi, c'est pour bien frotter tout ce qui est poêle, assiette. En vrai vous trouvez pas ça trop pratique? Franchement lui il va me sauver. En plus c'est vraiment de bonne qualité, enfin la brosse, très satisfaite. Et toujours dans les trucs pour faire la vaisselle, je sais pas si vous avez vu ça sur TikTok, c'est les éponges comme ça à smiley. Je sais pas trop comment ça s'appelle. En gros vous avez une éponge comme ça. Et par exemple pour laver les couverts, vous allez venir passer dans la bouche ou les couteaux dans les yeux. J'explique vraiment trop mal, vous avez les petits dessins comme ça derrière, sûrement plus clair que mes explications. Et si je comprends bien, on peut les réutiliser dans le lave-vaisselle, donc ça c'est trop cool. J'en ai deux, j'en ai une jaune et une bleue. Pareil, vous avez plein de couleurs. Ça faisait un moment que je voulais tester, autant rendre la vaisselle un petit peu plus. Ensuite j'ai craqué sur ce petit truc, vraiment c'est très gadget. Je sais pas si vous voyez comment est fait ma salle de bain, j'ai mis un tournant transparent où j'ai posé tous mes produits skincare sur le lavabo. Et donc pour les cotons-tiges, je me suis dit que je vais poser ce petit truc sur le portant. Ça fera arrangement très esthétique, très Pinterest, j'aime bien. Voilà vraiment tout simple, vous mettez vos petits cotons-tiges dedans. Ensuite on passe à une pièce trop importante, le salon. Si vous suivez mes vlogs, vous savez que le tapis qui était dans le salon de mon appart, je l'ai ramené ici dans la chambre de chez mes parents parce qu'il était pas assez grand, pas assez large.
large. Je m'étais trompée de taille en fait en le commandant. Bref, j'ai acheté un nouveau tapis pour le salon. Ils en ont plein sur le site. Franchement, j'ai vraiment eu du mal à choisir. Vous avez un choix, c'est dingue. Et en plus, c'est très très abordable pour des tapis. Donc là, c'est un big tapis. Hein. Vraiment, j'ai pris un king size. Et surtout, j'ai pris cette couleur, un gris un peu délavé comme ça. Donc voilà, ça va être parfait. J'espère juste que Blue ne va pas faire pipi dessus. Parce que Blue n'est pas encore totalement propre. Ça va de mieux en mieux, mais c'est pas encore ça totalement. Dites-moi si vous avez des astuces pour rendre un petit chaton propre, pour l'habituer à aller dans la litière. Vu que mon canapé est gris foncé, on s'est vraiment dit avec mon copain que un tapis gris délavé, ce serait trop beau. J'ai tellement hâte de le voir dans l'appart. Je vous ferai un vlog de toute façon emménagement fin août. Pour finir dans la catégorie déco, j'ai pris une parure de couette pour la chambre. Vous avez vu dans un de mes derniers vlogs où je refaisais la décoration de ma chambre ici. J'ai pris des draps blancs. Gros coup de cœur sur les draps blancs, vraiment je ne veux que ça maintenant. Si vous n'avez pas compris, je vis pour l'esthétique. Du coup je me suis dit pourquoi pas en prendre sur le site. Voilà, c'est vraiment des similaires à ceux que j'ai. J'espère que c'est les bonnes dimensions pour l'appart. Le prix, j'étais clairement choquée parce qu'en général la literie ça coûte cher. C'est souvent un prix et donc là bah si vous voulez changer vos draps, franchement c'est le bon plan, je vous recommande. Je me suis attachée les cheveux, j'ai vraiment trop trop chaud. Je sais pas si vous vous rendrez compte de la matière, comment elle est toute douce. Enfin vraiment gros coup de cœur, j'ai trop hâte de dormir avec. Ensuite on passe à la catégorie back to school, clairement une de mes catégories préférées aussi. J'adore tout ce qui est papeterie, stylo, bullet journal. On va commencer avec un livre qui était dans ma wishlist depuis un moment. À chaque fois je me dis non mais j'en ai pas vraiment besoin, je verrai ça le mois prochain. Je me le suis enfin pris, vous savez que je suis une fan de journaling, d'affirmation positive, tout ce qui est manifestation, visualisation, j'adore ça. Je me suis pris le 5 minute journal qu'on voit à peu près partout. Vous avez une petite citation en haut et ensuite vous avez 4 questions à répondre tous les jours, donc 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, 3 choses que j'aimerais faire aujourd'hui et 3 affirmations positives par rapport à moi. Donc ça c'est pour le matin et le soir vous avez 2 autres questions, 3 choses qui sont arrivées de cool aujourd'hui et enfin comment j'aurais pu rendre les choses meilleures aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que je le voulais, pourtant c'est tellement simple, mais je suis persuadée qu'en faisant ça tous les jours vous pouvez vraiment changer votre état d'esprit et le matin vous levez avec plus de motivation par rapport à votre journée. Trop bon dans tout ça, on le voit vraiment partout sur Pinterest, dans les vlogs des youtubeuses américaines. Surtout que je me suis pris des petits stylos pour aller avec. Non mais pardon. Excusez-moi mais ils sont tellement mignons. Je sais pas si on les verra mais déjà on en a un bleu ciel. Alors vraiment je suis bleue en ce moment. Et voici les autres couleurs. Je vous les montrerai, je vous montrerai comment ils écrivent. Voilà, je suis très contente de mon achat. Ils sont très esthétiques en plus. Ensuite on va rester dans le même délire. J'ai pris des surligneurs. Alors vraiment mon rêve c'est d'avoir, vous savez, l'ensemble des surligneurs stabilo. Il me semble qu'ils sont sur le Passe Culture. Je regrette de l'avoir fini avec des livres de droit. J'aurais pu m'acheter ça, mais je trouve ça trop esthétique sur des bureaux et en plus bah c'est trop pratique. Moi je suis vraiment tout le temps en train de surligner mes cours, j'ai une mémoire très très visuelle, donc voilà j'en ai pris des couleurs pastel. Clairement gros coup de cœur pour le violet, voilà il se présente comme ça. Ça ça va aller direct dans ma trousse pour le BTS, franchement la transition. Donc je me suis pris une petite trousse pour la rentrée, dès que je l'ai vue je l'ai ajoutée au panier. Le devant est transparent, je trouve ça trop esthétique et voilà les couleurs crème, vraiment toutes simples. Et en plus ce que je trouve trop cool c'est qu'à l'intérieur vous avez une petite doublure comme ça où vous pouvez mettre par exemple tout ce qui est gomme, taille crayon, etc. Donc voilà, trop cute vraiment. J'ai une passion pour les carnets. Quand j'ai vu ces mini carnets, mais excusez-moi, est-ce que vous les trouvez pas trop mignons? Genre celui-là, il est trop mignon. Bon, à la taille de ma tête, vous voyez qu'il est vraiment petit. Mais je me dis par exemple, pour faire des petites post-it pour les listes de courses, ça peut être trop pratique parce qu'on va être deux et il va falloir s'organiser pour les courses. Moi je fais tout le temps des notes, que ce soit des to-do list ou des pense-bêtes. Clairement ça, je suis trop contente. Vous pouvez également acheter des bloc-notes qui sont sur Timo aussi. J'ai oublié dans la catégorie cuisine, mais on a aussi un économe. Je ne sais pas comment j'ai pu l'oublier parce que je me suis littéralement coupée avec en ouvrant le colis. Voilà, on a un petit économe comme ça, très pratique. Je n'en avais pas à l'appart. Trop, trop important d'avoir un économe dans la cuisine. Dernière catégorie, on passe à la catégorie skincare. J'ai deux produits à vous montrer. Tout d'abord un gua sha. Je pense que vous les avez vus, ces petits trucs là. C'est en gros pour vous masser le visage. Donc il faut bien que j'apprenne les mouvements à faire. Moi je me masse déjà le visage quand je fais ma skincare le soir, genre des mouvements ici et ici. Mais voilà, j'ai craqué pour ce petit gua sha, vraiment pas très très cher. J'ai une huile typologie qui pourra vraiment aller parfaitement avec. En plus je l'ai pris rose parce que non mais franchement il est trop trop mignon. Et la deuxième chose dans cette catégorie, c'est un gommage à l'avocat. Alors les deux choses que j'aime dans la vie, je l'ai pas ouvert comme ça on va pouvoir l'ouvrir ensemble, mais ça sent un mélange de crème solaire, d'avocat, j'ai envie de le manger. Au niveau de la texture, voilà on est vraiment sur un gommage quoi, tout ce qu'il y a de plus classique. Je suis trop contente parce que j'ai fini le mien, je le testerai, je vous dirai ce que j'en pense dans une vidéo skincare ou une night routine. En plus le pot est trop trop mignon et j'ai une bonne réserve là pour un moment, donc c'est trop cool.
Il reste un article, je ne savais clairement pas dans quelle catégorie le mettre. Si vous avez vu dernièrement, je vous ai fait un carrefour dans un de mes vlogs, je vous mets la vidéo dans le petit i, et je vous avais dit que le support pour tenir mon téléphone était pas du tout pratique. Effectivement, il a fini par tomber. Donc voilà, j'en ai repris un, il coûtait même pas 2€, donc en vrai j'attends pas énormément de lui. Mais vu que le mien était cassé, de toute façon, il fallait que j'essaye. Donc vous savez, c'est un porte-téléphone que vous collez sur votre tableau de bord. Moi je vais vraiment le coller au milieu directement. Et vous avez des aimants à mettre sur votre téléphone, sur votre coque. Vous en avez soit un rond, soit un comme ça. J'espère juste que cette petite face va bien coller. Je l'essaierai, je vous dirai des nouvelles. Ça y est, on est arrivé à la fin de ce haul. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous validez un petit peu mes petits articles. Si vous avez un coup de cœur sur un des articles, n'hésitez pas, en barre d'infos, je vous mets les liens. Vous avez également mon petit code que je vous affiche à l'écran. Je pense que je recommanderai des trucs pour la rentrée parce qu'ils ont vraiment pas mal de papeterie. Et en vrai, tout ce qui est pochette, cahier, classeur, ça vaut vraiment le coup sur ce site. En tout cas, moi, j'ai trop hâte d'installer tout ça à l'appart. Comme prévu, je vous ferai un vlog fin août de tout ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !